para ese partido. Bienvenue. Voilà, installez-vous. Installez-vous. C'est bon, tu as juste à. Oui, ça. Ah, ok. Voilà, ok. Voilà. Mais j'ai l'impression que le. Oui, justement. Attends, je vais juste lever un peu. Voilà, il est 16h, quoi, 2 minutes. On va commencer et puis les autres vont nous prendre en cours. Ou alors ils vont revoir la vidéo. Aujourd'hui, on va voir une fonction essentielle. On va voir une fonction essentielle. Pourquoi elle est essentielle? Parce que lorsque vous arrivez. Alors, je voulais m'assurer qu'on m'entend parfaitement. Parce que quelquefois, on me dit qu'il y a des problèmes de son. Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez bien? Depuis le Togo. Bienvenue à notre frère du Togo. Est-ce qu'on m'entend? Répondez en commentaire, s'il vous plaît. Je veux m'assurer qu'on m'entend déjà. Et puis, on va lancer. Bon, oui, c'est pour inviter les gens. Est-ce qu'on m'entend? Je vais faire un décalage. Le son est parfait. Ok, merci. Très bien, merci. Ok. Alors, donc, je disais qu'on va aujourd'hui aborder un métier essentiel au sein des équipes projet. Pour rappel, on a vu déjà plusieurs métiers. Parce qu'il y en a qui me posent des questions en inbox. Attends, je vais passer. Je ne veux pas que ça fasse court. Voilà, plusieurs personnes me posent des questions sur les différents, sur d'autres métiers qu'on a déjà vus. Donc, je voudrais très rapidement récapituler les métiers qu'on a vus, dont on a parlé, notamment les responsabilités, les contraintes, surtout le profil. Pour que vous puissiez aller donc sur la page qui est la vôtre pour revoir donc cette vidéo. On a déjà vu le métier de spécialiste en présentation de marché. On a vu le métier de spécialiste en gestion financière, le métier de comptable sur un projet de développement. On a vu le métier de spécialiste en suivi et évaluation. On a vu le métier de spécialiste en communication. Et puis on a même vu le métier donc d'auditeur interne. Aujourd'hui, nous allons voir une fonction aussi essentielle qui est l'assistanat de coordination. C'est une fonction essentielle parce que c'est un peu la porte d'entrée, la porte de sortie. C'est l'image même d'une équipe projet. Ce sont les premières personnes qu'on rencontre. Ce sont les premières images, n'est-ce pas, qu'on s'est fait quand on arrive dans une unité de coordination de projet. Donc, j'estimais qu'il était important, avant de voir d'autres métiers, le lundi, par exemple, on a eu une séance très intéressante avec le directeur du contrôle financier pour parler donc de ceux qui assurent le contrôle financier. On va faire la même chose pour la Pairie générale de la dette publique pour parler des agents comptables, mais on va voir aussi la dette publique, la DGMP, même l'ARNB et puis même les bailleurs, donc au niveau des titiels, que ce soit la Banque mondiale, l'AFD, mais aussi les coordinations des portefeuilles. Voilà, en Côte d'Ivoire, on a plusieurs portefeuilles. Vous avez le portefeuille BAD, le portefeuille CDD. Vous avez le portefeuille Banque mondiale et il y a même le portefeuille des financements arabes. Voilà, donc on va vous faire découvrir tout ça. Mais au milieu de tout ça, j'ai souhaité vraiment vous présenter cette fonction essentielle qui est l'assistanat de coordination. On va bien entendu faire intervenir notre expert du jour. Je vais déjà me faire le plaisir de vous la faire découvrir avant de vous dire son nom. Alors, c'est quelqu'un qui dispose d'une maîtrise de droit. Hein. Droit des affaires.
juste quelques secondes. Hein, ça permet de te détendre un peu. Hein. Ça va, hein? ça va. Tout à l'heure, tu vois. Voilà, donc elle a fait, elle a une maîtrise en droit, un droit des affaires. Et puis elle a un parcours assez particulier. Ça fait 13 ans qu'elle travaille, dans, on va dire, 7, n'est-ce pas, dans les unités de gestion des projets. Avant d'arriver dans les unités de gestion des projets, elle a été chargée d'administration dans un cabinet privé. Elle a été assistante administrative et juridique dans une fondation ivoirienne, qui est une ONG ivoirienne de défense des droits humains. Elle a été assistante administrative et juridique dans une ONG. Et puis, elle a atterri à partir de 2000, avant d'arriver sur le projet, elle a été assistante administrative dans un cabinet d'avocats. Et puis en 2015, elle a atterri, on va dire, dans les unités de gestion des projets, notamment le PESAC, qui est le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, financé par la Banque mondiale, donc de 2015 à 2018. Et puis en 2018, ben, elle est arrivée au BCP Emploi. Je m'honore d'avoir été celui qui l'a recruté avec toute l'équipe. Et elle m'honore voilà, par les résultats qu'elle donne. Donc depuis 2018, elle est assistante de coordination au bureau de coordination des programmes emploi. Alors sur ces diplômes, je suis passé très rapidement, mais sachez qu'en plus de sa maîtrise en droit des affaires, elle a un master 2 en droit communautaire africain, option droit des affaires, et elle a même fait une certification en management de projet ou d'organisme à but non lucratif. Donc on va dire depuis 7 ans maintenant, bientôt 8 ans, elle travaille comme assistante de coordination et bien entendu, elle a des perspectives, elle a des ambitions, elle veut s'intéresser à d'autres métiers au sein de la gestion des projets. Donc celle qui nous fait l'amitié de nous entretenir aujourd'hui s'appelle donc Anga Christian Yapo. Je ne vais pas dire ton âge, hein, on ne donne pas l'âge d'une femme, mais elle est célibataire. Bon, maintenant c'est les fiancés, bon, son fiancé, tu as fait des paroles. Avis aux intéressés, c'est pas ok. Je m'inquiétais pour toi. Non, pas du tout. Alors, je vais te faire ta présentation. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ta présentation? Oh, je pense que la présentation a été très, très succincte et très précise sur mon parcours professionnel, autant ma formation. Je pense qu'il n'y a rien de plus à ajouter, seulement que ça va peut-être susciter des interrogations sur ouais. Comment on peut basculer du droit, à l'assistanat de coordination. Et je pense que c'est tout ça qu'on va découvrir. Voilà, tout à l'heure. Donc on va découvrir tout ça. Mais déjà, je voudrais savoir, alors, pendant les 13 ans donc, de ta carrière, depuis 2015, tu es sur le projet financé par les bailleurs, oui. Notamment la Banque mondiale. Le BCP, il y a aussi le financement AFD, dans le cadre du CDD. Avec le CDD. Alors, du coup, tu es venu, tu es resté. Parce que quand on voit les autres, dans ton CV, il y a au moins 4 ou 5 structures que tu as eu à faire, 2 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans. Mais là, depuis 7 ans, tu es sur le projet. Oui. Je suis amené à demander quel est l'avantage pour une assistante d'être dans une équipe projet. Il y a quel avantage pour que depuis 7 ans, tu y sois encore. Bonjour M. Bomba, bonjour à les managers comme M. Bomba aime bien vous appeler. Oui, parce que tout le monde a, tous ceux qui sont ici ont vocation à être managers. Donc bonjour à tous ceux qui nous suivent, merci de donner cette lucarne au métier d'assistant de coordination. Donc comme vous le disiez, c'est vrai que dans mon parcours professionnel, j'ai eu à travailler dans des cabinets ou dans des structures privées ou même des ONG. Et depuis 2015, j'ai vraiment mis pied dans le monde des projets de développement, Banque mondiale, CDD avec l'AFD. Je suis restée parce que depuis toujours, mon orientation a été faite dans le but de travailler dans les programmes de développement. Ça, c'était mon ambition. Et même quand vous regardez dans mes orientations, mes choix de formation, le droit, ça a été le droit communautaire. Après, ça a été... le certificat en management des projets. Donc, j'ai toujours voulu travailler dans ce contexte-là. Donc, c'est un peu ça qui fait que je suis restée parce que je m'y sens bien. C'est la place que j'ai voulu avoir depuis toujours. Ok. Alors, donc, on va revenir donc à nos débuts. Déjà,
Alors, moi, je ne suis pas satisfait de la réponse. Je voudrais que tu puisses approfondir. C'est vrai que tu as toujours rêvé de travailler sur les projets de développement. Maintenant que tu es arrivé, quels sont les avantages qu'on y trouve pour que pendant 7 ans, tu y sois encore? Bon, déjà, les avantages, c'est que on se familiarise avec tout ce qui est procédure bailleur. Procédure bailleur, et on met le plein pied dans le monde du développement des projets. Ça, c'est vraiment le premier atout, comme j'ai dit. Ensuite, au niveau des capacités professionnelles, le monde des projets est un monde qui est circonscrit dans un large temps. Un projet a une durée de vie. Donc, du coup, si vous voulez, tout ce qui est aptitude professionnelle est décuplé et est mis en avant à une vitesse grand V. Vous êtes obligé d'apprendre à travailler sous pression. Vous êtes obligé d'apprendre à travailler avec un souci d'efficacité en même temps de gestion de stress. Vous êtes obligé d'apprendre à travailler dans une précision en tenant compte des procédures et des délais parce que nous avons des objectifs liés à l'exécution du projet. Donc, c'est un challenge au quotidien. L'assistance est mise en avant et en même temps, elle est appelée à se dépasser, à prouver qu'elle peut aller même au-delà de ses capacités chaque jour. Et c'est ce petit challenge-là qui me maintient encore là. Très bien. Donc, elle est une femme de challenge, une femme de défi, hein, qui aime relever les défis. Alors, dis-moi, Christiane, alors, quelle est la différence, tu peux faire entre secrétaire, assistante administrative, assistante de direction, assistante de coordination, ou alors c'est la même chose? Sinon, quelle est la différence? Quelle différence on peut faire? Oui, effectivement, c'est une question très à propos parce que on a tendance à faire beaucoup d'amalgames entre ces différentes dénominations. Une secrétaire, une assistante administrative, une assistante de coordination ont la même base de formation. C'est l'assistana. Mais dans la pratique et dans l'exécution des tâches, il y a une différence. La secrétaire est dans une entreprise ou dans un projet, comme on est actuellement, est liée à son supérieur hiérarchique direct. Elle a une tâche bien précise. Et dans le projet, on peut avoir même plusieurs secrétaires en fonction de la nomenclature du projet. Par exemple, on peut avoir une secrétaire pool, on peut avoir une standardiste. Les différents agents comptables peuvent même avoir des secrétaires. Donc, dans les faits, elle va juste faire des tâches de bureautique. C'est-à-dire, elle fait l'accueil téléphonique, elle reçoit les courriers, elle va les ventiler. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'opérationnel, dans l'exécution. Elle ne prend pas elle ne prend pas véritablement de décision. Elle suit les consignes. Ça, c'est la secrétaire classique. Ensuite, l'assistant administratif, lui, outre les fonctions basiques de secrétariat, il est emmené à diriger des projets. Il est emmené à avoir des décisions à prendre dans l'exécution de ces projets. Il peut même avoir sous sa direction des personnes comme la secrétaire. Il peut même donner son avis et faire de la supervision du travail des autres. Donc il est plus dans une dynamique de réflexion et de prise de position. Ça, c'est l'assistant administratif. Maintenant, dans le cas de l'assistant de coordination, le mot coordination est lié forcément à l'unité de gestion, puisqu'on est dans une unité de coordination de projet. C'est ça. Sinon, en général, c'est la dénomination usuelle qui est utilisée, assistant de direction. C'est pareil. Mais dans le cas, on n'a pas un dirigeant, on n'a pas un directeur, on a un coordonnateur, on a une unité de coordination. Donc, on dira assistante de coordination. L'assistante de coordination est celle qui est appelée à travailler en partenariat direct avec l'autorité de gestion, c'est-à-dire le coordonnateur. Elle est reliée directement à lui, contrairement peut-être à l'assistant administratif ou au secrétaire, qui sont souvent liés dans les projets au RAF. L'assistante de coordination, elle est directement liée au coordonnateur et elle dépend de lui. Elle reçoit directement les instructions du coordonnateur. Donc, c'est un peu ça la distinction. D'accord. Merci donc pour cette distinction qui est faite. Alors, dis-moi, de façon précise, concrète, quelles sont les attributions
les responsabilités donc d'une assistante de direction dans une équipe projet. L'assistante de coordination dans une équipe projet est chargée de décharger le coordonnateur de tout ce qui est tâche administrative. Donc elle va s'occuper de son planning de travail, elle va s'occuper de ses déplacements, de ses voyages, elle va s'occuper de sa correspondance selon les directives qu'il va lui donner. Donc elle va avoir une capacité rédactionnelle qui lui permet de dire voilà l'objet du courrier, à toi de me proposer un draft. Elle peut même être amenée à rédiger des TDR, des termes de référence de certaines activités en cours. Ensuite, en dehors même de la gestion de tout ce qui est activité administrative du coordonnateur, l'assistant de coordination aussi s'occupe également de l'organisation et du management de toutes les activités de la coordination. Donc elle manage tout ce qui est réunion, elle manage tout ce qui est atelier, séminaire, conférence. C'est elle qui est le point focal entre l'extérieur et la coordination. Donc il y a ici un rôle de communication qui est fait, puisqu'elle ventile les informations autant en interne qu'en externe. Elle est même informée de toutes les décisions, même souvent des informations assez confidentielles, puisqu'elle est aux copies de tous les courriels du coordonnateur. Elle fait même la veille électronique, parce que les demandes d'anneaux, les suivis des ateliers, des missions, on a besoin des anneaux et tout ça. C'est l'assistant de coordination qui veille à ça et qui peut donner l'alerte à toutes les autres cellules. Donc, elle a un rôle vraiment très dynamique au sein de l'unité de coordination. Ben, vous comprenez pourquoi tout à l'heure je disais que c'était une fonction assez sensible, stratégique et importante au sein des équipes projet. Elle vient donc vraiment de développer, de détailler en fait ce que je pensais. Voilà. Alors, Christiane, dis-nous un peu dans tout ce que tu viens de décrire en termes de responsabilité, d'attribution, quelles sont les contraintes donc, d'une assistante de coordination? Les contraintes qui sont liées au poste d'assistante de coordination sont des contraintes d'abord au niveau même de la temporalité des projets. Quand je dis la temporalité, je pense que c'est tout même l'unité de coordination qui est sujette à ça. Parce que comme on disait, le projet est d'abord quelque chose, c'est un projet de développement, c'est une organisation qui est temporaire. Donc déjà, une assistante qui travaille au sein d'un projet doit se dire qu'il y a une limite qui est liée à son travail. Ça, c'est au niveau de la temporalité. Au niveau maintenant de l'exécution de ces tâches, les contraintes, puisque je l'ai dit tout à l'heure, tout est très rapide. Nous sommes tenus par des objectifs, nous sommes tenus par une durée de vie. Donc, en fonction des activités, si besoin est de rester au bureau jusqu'à 22h, 23h, ah ouais, vous êtes obligé de rester. Parce que c'est l'exigence liée à votre poste. Vous devez vous assurer qu'une activité est de bout en bout et en train de se réaliser comme il se doit. Donc, si l'activité doit finir à minuit, vous êtes au bureau à minuit. Si vous devez utiliser votre week-end pour envoyer des mails à 500 invités qui doivent avoir l'information de la tenue d'un atelier deux jours après, vous êtes obligé de veiller tout un week-end sur votre ordinateur. Donc, ce sont les contraintes liées au travail, la contrainte de temps et aussi la contrainte des horaires. Donc, ça peut avoir forcément une répercussion sur votre vie de famille et sur votre entourage, malheureusement. Mais peut-être que c'est le lieu de donner aussi des conseils, peut-être aux époux, n'est-ce pas, des assistants de coordination, d'ailleurs, pour qu'ils comprennent quand même ces contraintes. Oui, bien sûr. Quand on n'est pas dans le monde des projets, on n'a pas, en fait, cette perception-là de la difficulté de travail liée à ce poste. Donc, c'est le moment d'attirer l'attention sur tous les époux, les épouses, les assistants, parce qu'on parle beaucoup des assistants. Il faut élargir les conjoints et conjointes de ceux qui travaillent dans les projets. Oui, bien sûr. Vous dites qu'on est lié par des contraintes de temps, par des contraintes d'objectifs à atteindre, et que quand le boulot le demande, on est obligé de rester très loin de nos familles, et souvent c'est pas évident. Mais comprenez que c'est pour le besoin du travail, mais surtout pour le bienfait de la famille, parce qu'après, c'est tout le monde qui profite des récompenses. Voilà, exactement. Alors, pour ceux peut-être qui sont déjà en activité,
Donc, je vais séparer en fait la question. C'est-à-dire, quel conseil tu donnes déjà aux dames ou quelques rares hommes qui sont assistants de coordination pour être performants en fait dans le cadre de leur travail? Ce que j'aimerais dire, c'est que il faudrait qu'on sorte des clichés qui sont assignés au rôle de la secrétaire ou au rôle de l'assistant. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avancée technologique, un patron n'a vraiment pas besoin de quelqu'un forcément pour gérer son timing, ouais, pour gérer son agenda. Donc, l'assistant qui est en fonction actuellement doit relever le défi de faire évoluer ses compétences, en se retrouvant même des compétences qui vont épater son patron, aller au-delà de ce qu'on vous demande de faire. Et en cela, la formation est capitale. Il faut apprendre à se former. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des bouquins avec le concept que donne M. Bomba. Mais sur Internet, il y a des forums, il y a plein de choses. On peut aller vers l'information pour pouvoir apprendre encore plus. Donc, ce que j'aimerais dire à mes consoeurs, à mes confrères qui nous regardent, c'est de ne pas baisser les bras, de ne pas dormir sur leur laurier. Parce que, certes, nous avons l'expérience parce que nous sommes en activité, mais les jeunes qui viennent derrière, ils sont très teigneux, ils en veulent. C'est des assistants 2.0 qui maîtrisent toutes les technologies. Donc, il faut se mettre au travail et il faut toujours rester à la pointe de l'information. Voilà. C'est important. Non, c'est assez important. De l'information, donc la technologie, comme elle a dit, hein, c'est formé. Apprendre d'autres choses, parce que si on est assistant de coordination ou assistant de coordination dans un projet, le minimum c'est d'avoir suffisamment d'informations sur ce projet. Et je dirais de façon globale, de savoir comment fonctionne un projet. Voilà, sinon finalement on devient un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, maintenant c'est pour ceux ou celles qui sont déjà en activité comme assistant de coordination. Alors, pour des personnes qui sont soit secrétaires, assistantes de direction, qui veulent embrasser, je veux dire, ce métier, cette carrière, selon toi, quelle est la bonne démarche pour y arriver? Déjà les compétences à développer, déjà, et puis après, les compétences à développer. Donc, pour ceux qui aimeraient embrasser la carrière d'assistant de coordination dans un projet de développement, il faudrait d'abord qu'au niveau des compétences personnelles, vous ayez une bonne présentation. Parce que comme M. Bomba l'a dit, vous êtes la lucarne du projet, c'est vous la première personne qu'on rencontre quand on vient dans le projet. Il faut une bonne présentation, il faut une bonne allocution, il faut savoir s'exprimer, avoir merci, un vocabulaire assez soutenu, il faut avoir une très bonne capacité rédactionnelle, parce que vous allez accompagner votre patron ou organiser des réunions auxquelles vous devez prendre part et faire des comptes rendus, faire des PV de réunions, faire des comptes rendus de réunions. Vous êtes responsable de tout ce qui est communication interne ou externe, donc les mails et tout ça, c'est vous qui les faites, c'est vous qui les rédigez. Il faut avoir une très bonne capacité rédactionnelle et après, il faut savoir gérer le stress, surtout. Garder son sang-froid et puis être toujours de bonne humeur, ne pas s'énerver. Donc ça, c'est les capacités personnelles à développer. Ensuite, au niveau du travail, les capacités professionnelles, il faut maîtriser l'outil bureautique. Une assistante qui se dit assistante ne peut pas savoir gérer une boîte électronique, ne pas savoir utiliser l'outil informatique. Et aujourd'hui, surtout, il ne faut pas oublier l'anglais. L'anglais, c'est... Ah, tu veux te décourager. C'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, mais bon. Je vous dis que aujourd'hui, l'anglais est un atout. Vous pouvez recevoir des documents en anglais. On ne va pas vous demander forcément, on est dans un pays dont la langue officielle est le français. On ne va pas vous demander de parler l'anglais tous les jours, mais ça peut vous ouvrir des portes. Donc, pour ceux qui désirent embrasser cette carrière, mettre l'anglais en avant, ce ne serait pas mauvais non plus. Très bien. Alors, donc là, je viens de parler de compétences. Maintenant, pour quelqu'un qui se trouve, qui est dans une entreprise privée actuellement, dans une ONG, ou même qui ne travaille pas, mais qui a vraiment une belle expérience, quelle peut être la démarche qu'elle doit suivre
C'est vrai, un jour travailler comme assistant de coordination dans une équipe projet financée, soit par les bailleurs ou même par l'État. Déjà, pour quelqu'un qui a déjà une formation de base en assistant de direction ou qui est secrétaire, mais je tiens à vous rassurer que comme moi, je n'ai pas de formation de base en assistant. Donc ce n'est pas un métier qui est fermé. Toutes les disciplines dites connexes comme le droit, la comptabilité, vous pouvez exercer sociologie, vous pouvez exercer ce domaine-là. Et seulement que vous devez vous former. Moi, je me suis formée. Il faut se former. Ensuite, la plupart des postes dans les projets sont sur la base d'appel à candidature. Donc, vous essayez au plus d'aller vers l'information, comme j'ai dit, aller sur les forums, acheter les journaux d'annonce légale. C'est ce que j'ai fait moi, c'est dans le Fraternité Matin, excusez-moi pour la publicité, que j'ai vu l'annonce du PESAC. Et puis je me suis dit pourquoi pas, j'ai tenté ma chance. Et surtout quand on veut postuler, il faut prendre le soin de maîtriser le sujet, c'est-à-dire connaître le projet dans lequel on veut travailler. J'ai été plusieurs fois sollicitée pour des commissions. Membres de commission, de panels pour recruter des assistantes dans des projets. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de négligence, même dans l'élaboration du dossier de candidature. Des pièces incomplètes, des personnes qui ne prennent pas la peine de soigner même leur présentation. Et quand vous avez même la chance de venir jusqu'à l'entretien, vous ne savez même pas, vous n'avez même pas des informations basiques sur le projet pour lequel vous voulez postuler. Donc déjà, il faut préparer. C'est comme quelqu'un qui va faire un marathon, il prend au moins 6 mois pour s'exercer. Chaque matin, il sort, il court, c'est 10 km chaque jour. Donc déjà, vous anticipez sur une éventuelle candidature dans un projet en déjà, il faut vous mettre déjà dans la peau de quelqu'un qui veut aller travailler dans un projet. Aller vers l'information et puis essayer de travailler sur tout ce qu'on a dit. Très bien, super. En plus, ce sont des très très bons conseils qui vont au-delà de ce à quoi je m'attendais. Je pense que ce sont des très très bons conseils qu'elle donne. Alors, donc finalement, quelles peuvent être les perspectives en fait d'une assistante de coordination? Alors, donc Christiane, aujourd'hui, assistante de coordination au BCP Emploi, avant l'été au PESAC, bon, tu n'as pas la lettre d'assistante de coordination. Non. Voilà. Bon, ça peut être un choix. Hein. Ça peut être un choix. Mais j'estime que tu es assez jeune. Oui. Alors, est-ce que c'est figé, c'est fermé quand on est assistant de coordination ou alors est-ce qu'il y a des perspectives? Est-ce qu'on peut, ça peut déboucher sur autre chose? Il n'y a pas de blocage à l'évolution de l'assistant de coordination dans les projets. Les perspectives dépendent en fait des opportunités, mais aussi du bon vouloir de l'assistant. On l'avait dit, ça peut être un choix. Certaines choisissent de rester assistantes parce qu'elles aiment ça. Mais dans les projets, l'assistante a un rôle transversal, c'est-à-dire qu'en plus d'être attachée directement au coordonnateur, elle a une vue d'ensemble sur toutes les cellules qui composent l'unité. Donc, elle est appelée à collaborer avec les différents experts. Et selon ses aptitudes, selon ses capacités, elle peut faire le choix d'une reconversion. Parce que le projet étant une organisation très pérenne, on ne peut pas se projeter à long terme. Par exemple, comme dans d'autres cultures où l'assistante peut basculer, elle peut devenir RH, elle peut devenir chargée de la gestion du personnel, la vie du projet est tellement limitée que soit vous passez dans un autre projet, par exemple moi, au PESAC, j'étais assistante administrative, et nantie de l'expérience que j'ai eue au PESAC, j'ai brigué le poste d'assistante de coordination au BCP Emploi. Donc, il y a eu une évolution au niveau des compétences. Même si je suis toujours assistante, il y a eu une évolution au niveau des compétences et des responsabilités. Ça, c'est une évolution linéaire. Il peut y avoir aussi une évolution carrément où on bascule dans un autre domaine d'activité du projet. Une assistante, par exemple, comme moi qui ai fait du droit, je peux regarder dans les unités qui composent l'UCP et puis dire, par exemple, il y a une idée où on parle plus de marché, on parle plus de droit. Là-bas, je peux peut-être exercer et faire valoir ma formation de base. Donc, je peux être intéressée par la passation de marché. Ouais, ouais.
Quelqu'un d'autre peut dire, bon, moi je suis bien dans tout ce qui est environnement. Je vais aller faire de l'environnement. Le sujet évaluation. Ou le sujet évaluation ou la comptabilité. Mais tout est une question de volonté. Parce que vous passez d'un poste d'assistant, c'est-à-dire de personnel d'appui, à un poste, vous voulez briguer un poste maintenant de personnel cadre. Même si vous allez passer par le stade d'assistant, soit sujet évaluation ou assistant passation des marchés, vous allez quand même vouloir évoluer jusqu'à devenir expert dans ce domaine. Donc, la reconversion va nécessiter forcément une évolution au niveau même de vos compétences et aussi de votre statut au niveau du niveau d'études. Donc forcément, la question de la formation va vous rejoindre. Donc une assistante de coordination, comme j'ai dit, ne doit pas dormir sur ses lauriers parce que si elle envisage d'évoluer dans le domaine, elle est obligée pendant qu'elle est là de se former. Oui. De se former. Alors, bientôt, aujourd'hui, on ne va pas durer parce qu'il y a un match à 19h. Donc, c'est le moment de poser vos questions. Il me reste quoi, deux ou trois questions. Dès que j'ai fini, je vais prendre vos questions s'il y en a. Donc, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Alors, on a vu donc les perspectives. Alors, il faut peut-être revenir un peu sur le chemin vraiment qu'on peut emprunter parce que c'est la question que les gens me posent. D'ailleurs, ici, j'en vois, hein, c'est-à-dire... Alors, tu l'as déjà expliqué, mais je sens que tu puisses revenir sur la voie à emprunter par, je ne sais pas, quiconque, vraiment emprunter sur un projet de développement, si la personne est intéressée, n'est pas passée. Parce que je rappelle qu'il y a d'autres métiers, hein, et aujourd'hui, nous parlons d'assistants de coordination pour que vous puissiez y arriver. Donc, j'aimerais que tu puisses insister là-dessus. Parce que là, il sait que dès qu'on va finir, il y aura beaucoup de questions là-dessus. Ok, comment on fait pour y arriver? Comment on fait pour y arriver? D'accord. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de se former si on n'a pas déjà une base en assistanat. Mais aussi, la formation ne passe pas forcément par une formation théorique. C'est ça. On peut demander à avoir un stage au sein d'une unité de gestion, une unité de coordination, pour pouvoir se faire une expérience probante sur le terrain. C'est vrai que les unités de gestion de coordination ne sont pas forcément elles courent pas les rues à tout le monde, mais il y en a quelques-unes quand même qui emploient des gens. Dans chaque pays, il y a au moins, je pense, au moins 100 unités. Au moins 100 unités de gestion. Parce que vous avez les portefeuilles banques mondiales, BAD, CDD, dans chaque pays, dans tous nos pays, il y a vraiment au moins 100. Oui. Voilà. Donc, on a le choix. De chercher à se parfaire, à se bonifier en rentrant dans le circuit, comme on dit, par un stage. Et j'aimerais attirer l'attention ici de mes confrères ou bien de ceux qui veulent briguer ce métier pour dire que souvent il faut savoir faire des sacrifices quand on a des objectifs. Je prends mon cas. J'ai eu une maîtrise en droit après j'ai fait un master et après comme toute jeune fille je cherchais du boulot, je n'en trouvais pas et j'ai déposé mes CV et on m'a appelé dans une ONG de droit de l'homme et comme j'avais fait du droit et que depuis le début je sentais un peu le besoin de travailler dans le domaine du développement, j'ai accepté. Je n'étais pas payée. Je suis entrée dans l'ONG en tant que bénévole. Et pendant un an, j'ai été bénévole dans cette ONG. Jusqu'à ce que... Mais ça compte pour le CV, ça compte pour l'expérience. Ça compte pour l'expérience. Ça me donne de l'expérience. Et là, je n'ai pas regardé à la rémunération, mais je regardais à ce que j'allais apprendre sur le terrain. Peu après, je suis entrée encore dans une ONG. Mais là, c'était vraiment mon véritable premier emploi. Et le caractère un peu hybride de mon parcours de juriste a joué un peu là-dedans, parce que c'était une ONG internationale, mais le directeur était aussi expert comptable. Donc il avait besoin à la fois de quelqu'un qui avait fait le droit et qui avait des notions en administration. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde des organismes à but non lucratif et des projets de développement. Donc après... deux ou trois expériences comme ça dans le domaine, je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'ai fait du droit,
Mais apparemment, même quand je vais même en cabinet d'avocat, dans le but de renouer encore avec le droit, là-bas, on me dit, écoute, tu as un potentiel en gestion administrative. Il faut gérer le secrétariat pendant un moment. Et puis après, quand on va recruter, tu vas passer collaborateur d'avocat. Mais là, je me retrouve après 2 ans à ce poste parce que le patron ne veut pas me lâcher. Donc, je me suis dit, écoute, à un moment donné, voilà, je suis bien à ce poste-là. Pourquoi ne pas le prendre au sérieux? Et c'est là que je me suis formée. Je me suis formée dans ce sens. Et quand il y a eu l'appel en candidature du PESAC, j'ai postulé et j'ai été retenue. Donc c'est comme ça que j'ai atterri. Alors est-ce que tu as eu, je veux dire, à connaître quelqu'un au PESAC? Est-ce que tu as payé de l'argent? Parce que très souvent, les gens, dans nos pays africains, les gens deviennent tellement incrédules, ils pensent qu'il faut forcément connaître quelqu'un. Si tu n'as pas un homme bien placé, si tu n'as pas un frère, si tu n'as pas d'argent, quelle est ta propre expérience par rapport à ça? Au PESAC, je ne connaissais personne. Je ne connaissais personne dans le domaine même des projets. Je n'avais pas de connaissances. Et je me suis dit, je vais postuler parce que j'y crois. Et ça a été un long processus de recrutement. Après les tests psychotechniques, jusqu'à ce qu'on soit 5 sur la shortlist pour qu'on nous appelle pour faire les entretiens. Et à ce moment-là, j'ai été retenue. Et petite anecdote, quand je partais encore postuler au BCP Emploi et que c'était M. Bomba, M. Bomba m'a dit, tu me connais? J'ai dit non, je ne vous connais pas. J'ai entendu parler de vous, mais je ne vous connais pas. Et il m'a demandé, vous connaissez quelqu'un parmi les membres du jury? J'ai dit non. Ah, j'ai oublié, monsieur. Je connais personne. Donc, du coup, ce n'est pas forcément que vous devez connaître quelqu'un. Parce qu'on se dit, ah, le monde des projets, c'est fermé, il faut connaître des gens, il faut avoir des passes droits. Non, c'est faux. Il faut se faire confiance, il faut se former et puis il faut y aller avec la foi. Parce que ça aussi, c'est un facteur qui compte. Voilà. Effectivement, Kixem, lorsqu'elle devait être recrutée au BCP Emploi, j'étais coordonnateur. Je veux dire, on s'était jamais vu. Mais elle est venue, elle a épaté tout le monde. Donc, peut-être, je reviens là-dessus aussi pour encourager les gens. J'ai même une formation aussi sur le 25 février, hein, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui cherchent. Avoir un peu les astuces pour remporter des appels à candidature. Donc, elle, c'est vraiment un exemple. Je veux dire, elle a bien monté son CV. Donc, l'idée du CV, c'est qu'on te juge, le CV parle en ton absence. Donc, l'idée, c'est d'arriver au moins à l'entretien. Maintenant, à l'entretien, tu dois venir te vendre. Mais effectivement, Christiane, lorsqu'elle est arrivée, je l'ai toujours dit, hein, souvent dans mes lives, on dit l'habit ne fait pas le moine. Mais franchement, on reconnaît le moine par l'habit. Et puis c'est l'habit qui te vend d'abord. Je veux dire, c'est l'extérieur, c'est ta présentation, ton image qui te vend d'abord. C'est après on peut se rendre compte que bon, écoute, il n'y a rien dans le fond, ou alors il y a du bon. Mais si déjà, dans le fond, tu as quelque chose, et puis l'extérieur repousse, ça repugne, bien entendu, on ne saura jamais qu'il y a un fond. Donc elle est venue, très bien habillée, voilà, tout ce que tu as envie vraiment de la recevoir, de l'écouter. En plus, comme elle a dit, elle a pris le soin de savoir c'est quoi le BCP Emploi, les différents projets, mais à un moment donné, tu as l'impression que c'est le candidat qui est en train d'instruire. Le candidat est déjà prêt à travailler dès le lendemain ou alors juste après l'entretien parce qu'elle a une bonne connaissance non seulement de l'environnement, elle a une bonne connaissance des contraintes. Donc, tout ça, vous devez savoir avant d'aller postuler. Donc, comme elle le dit, vraiment, on n'a pas besoin de connaître les gens. Vous vous limitez vous-même en vous mettant ce type de blocage. Non, il faut que je connaisse quelqu'un. Non, il faut que je connaisse quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte des clichés de la secrétaire qui est là, juste exécutante, qui prend les ordres, à la limite, qui va payer Madame Brézé à midi. Bon, Madame Brézé, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, c'est le plantain qu'on braise sur le feu. Donc, c'est pour dire que qu'on sorte de ces clichés-là. Aujourd'hui, l'assistant dans une unité de coordination est un levier de réalisation des objectifs collectifs. Si l'assistant est défaillant, c'est tout le système qui est défaillant. Parce qu'elle intervient en amont, elle intervient en aval. Elle intervient même dans la connexion des différentes cellules, dans le transfert des informations d'une cellule à une autre. Donc si c'est quelqu'un... C'est un peu comme, nous sommes à la CAN, c'est un peu comme le milieu là. Vous voyez, là, il y a la poule au milieu qui prend la balle, qui donne à gauche, à droite. Voilà. Hein, c'est un peu ça. C'est un peu ça.
Donc, il faut quelqu'un qui soit vraiment performant et il y a de la place pour tout le monde. Ok, donc il y a place pour tout le monde. Alors, Christian, dis-moi, avec ton expérience de 7 ans, qu'est-ce que tu tires comme satisfaction en étant ensemble de coordination depuis 7 ans sur le projet? La satisfaction, d'abord, elle est personnelle, du fait de mon parcours, du fait de là où j'ai pu arriver, comme on dit, quand je pense à mon passé. Ouais. Je rends gloire à Dieu. Voilà, je rends gloire à Dieu. Et ça, c'est ma satisfaction personnelle de me rendre compte que j'y suis arrivée à cause de mes compétences, à cause de mon acharnement au travail. Et je ne pense même pas être arrivée même à mi-chemin, je compte encore aller plus loin. Et le deuxième volet de satisfaction, c'est souvent quand tu vas à l'intérieur du pays ou bien dans les zones d'intervention du projet, puis quand tu passes, tu dis ça, c'est nous qui avons fait. Ouais. Voilà, ça c'est. On ne peut pas expliquer. Et c'est ça qui fait le charme des projets. Parce qu'au niveau des projets, il y a le toucher du développement. On touche directement aux besoins des populations. Donc, après, il y a cette satisfaction de dire j'ai contribué à quelque chose de plus grand que moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de wow. Après, au niveau des projets aussi, il y a. Les projets cassent les cordes hiérarchiques. C'est-à-dire aujourd'hui, M. Bamba a été mon recruteur, il a été mon coordonnateur, mais je peux me retrouver à manger gaba avec lui tranquille. Ce qu'on ne peut pas vivre dans une société privée lambda, où c'est vraiment hiérarchisé, où dans les projets, le chauffeur avec qui tu vas en mission pendant 2 semaines, mais il devient ton ami, parce que c'est celui sur qui tu peux compter, et même mieux. Nous avons tous les mêmes paydiennes. Il n'y a même pas de différenciation. Si vous avez 10 francs pour manger, depuis le patron jusqu'au chauffeur, tout le monde a 10 francs. Donc, cet esprit-là d'équipe, c'est surtout ça, cet esprit d'équipe. Depuis même la monture même du projet jusqu'à l'exécution qui fait que ce milieu-là est spécial. Il faut le vivre. Non, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Alors, avant de prendre les questions des uns et des autres, alors, comme dernier mot, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux uns et aux autres, aussi bien ceux qui sont sur le projet que ceux qui veulent, en toi, à mes managers qui nous suivent et ceux qui vont suivre après. Quel conseil tu peux leur donner de façon générale ou alors de façon spécifique, liée donc au thème du jour? Donc, ce que je peux dire à ceux qui sont déjà dans ce domaine et à ceux qui veulent y entrer, c'est d'abord beaucoup de courage, parce qu'il en faut. Il en faut, c'est pas facile. Et il faut savoir donner de l'importance à la place qu'on occupe quelque part. C'est-à-dire, il faut nous-mêmes être persuadés que le poste qu'on occupe n'est pas un poste superficiel, mais c'est un poste qui compte. En ce moment-là, on a la pleine mesure des responsabilités qui sont attachées à notre poste. On ne vient pas faire de la figuration, on ne vient pas faire de l'accompagnement. Mais on vient être acteur de développement à notre niveau. Donc déjà, pour ceux qui veulent y entrer, il faut qu'ils aient cette âme, cette envie de démontrer que l'assistant est aujourd'hui plus qu'un accompagnateur, il est un collaborateur dans le plein sens du terme. Un collaborateur qui compte dans sa manière de travailler, dans les compétences, dans la plus-value qu'elle apporte à l'organisation. Ensuite, pour ceux qui voudraient rentrer dans le projet, vraiment, je reviens encore là-dessus, il faut se former. Ben vraiment, je retrouve, n'est-ce pas, cette dame brillante hein, que j'ai laissée depuis 2018 au BCP Emploi. Alors, dis-moi, à titre personnel, le next step, c'est quoi? J'espère que ce n'est pas confidentiel, mais tu ne vas pas me dire que tu vas rester là comme ça, assistant de coordination. Le next step, c'est la passation du marché. Ben voilà. C'est bien. Et on y va. Et donc, dans tout un plan pour y arriver. Voilà. Ok. Ça vous dit que c'est possible. Hein? Dans ce temps de coordination, on peut arriver à autre chose. Ben, je t'y encourage. Hein? Merci. Il faut le faire. Il faut déjà, la bonne approche, c'est d'entrer, comme tu disais, dans le projet, c'est d'entrer dans la solution de marché, comme ça, travailler avec eux, te faire la main. Bon, bien sûr, tu as un coordonnateur qui est compréhensif, donc il comprend ça. Si. Et puis, à un moment donné, négocier avec le bailleur pour faire la formation. Quand tu viens, tu continues dans ta cellule, quand tu es sûr que tu as maîtrisé,
Ben, il y a beaucoup d'appels à candidature. Ouais. Et puis bon, dans quoi, je donne quoi, peut-être de l'heure, 3 ans, 5 ans, quoi, SPM. Dans 5 ans. Dans 5 ans, donc je dois te retrouver, hein, SPM. Et je sais que tu es capable de le faire et tu peux être une très bonne spécialiste en création de marché. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre quelques questions. Comme on l'a dit, on va pas durer aujourd'hui, on a déjà fait 43 minutes. Les gens doivent aller à des matchs. Alors, s'il y en a qui n'ont pas posé. Alors, bon, tu as beaucoup de félicitations. Hein. Je ne suis pas surpris parce que c'est brillant. Alors, il y a quelqu'un qui me pose la question. Je vais répondre rapidement. Il dit comment avoir toutes les vidéos, tous mes directs. Tout est sur la page. Hein. Tout est sur la page, avant vraiment officiel. Je ne supprime rien. Ce que je supprime, sont les annonces. Mais une fois qu'on fait le direct, ça reste sur la page. Voilà. C'est. L'objectif de la page, comme je l'ai dit, c'est de justement amener les gens à comprendre, n'est-ce pas, les projets, à s'intéresser aux projets, à susciter des vocations, mais aussi à mettre en lumière, en exergue, des personnes aussi brillantes, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Vous avez vu aussi le directeur du contrôle financier le lundi, et je, comme je l'ai dit, je vais le faire aussi pour les autres. Je préfère que cela soit célèbre. Par ses compétences, que bon, je ne vais pas citer des noms, qui sont des contre-exemples, n'est-ce pas? Voilà. Je n'ai pas les noms de quelqu'un. Alors, Lydie et Edith, l'assistant administratif ne serait-il pas porté sur la gestion du personnel? En plus des attributions de la secrétaire. Je peux répondre? Oui, ça pas oui, l'assistant administratif, tout comme l'assistant de coordination, peut gérer le personnel. Vous avez des unités de coordination où il n'y a pas de logisticien. Donc, dans ce cas-là, l'assistante est en charge de la gestion des chauffeurs, la gestion du parc auto. Elle est en charge de la gestion de l'équipement, de la gestion de stock de fourniture, de la communication. De la communication. Et il arrive même que l'assistante soit obligée de pallier à un manque de ressources humaines. Donc, elle vient être un appui à la cellule gestion financière, qui est chargé de gérer le personnel, donc tout ce qui sera permission, demande de congé, tout ça, la gestion même du personnel en général revient à l'assistant de coordination ou soit à l'assistante administrative selon la configuration même de l'unité de gestion. Donc j'espère avoir répondu à ma question. Oui, enfin, à mon avis, tu as répondu. Maintenant, Lydie qui a posé la question, si elle n'est pas satisfaite, elle pourra toujours poser, on va trouver le moyen de répondre. Il y a Manu Niemek qui pose une question. Je pense que tu as déjà répondu, mais je viens là-dessus. Quelle formation est-elle nécessaire pour occuper ce poste? Comme j'ai dit, la formation de base, rendons à César, bon, c'est bien à César. Entre temps, la personne te félicite parce que tu maîtrises ton sujet. Merci beaucoup. Rendons à César ce qui revient à César. Hein. C'est un poste dédié aux assistants. Donc, la formation de base, c'est une formation, c'est soit un BTS, soit un DUT. Ou une licence même professionnelle en assistant de direction. Seulement, comme j'ai dit, toutes les disciplines connexes sont les bienvenues avec en appui une formation professionnelle pour pouvoir maîtriser tous les rudiments du secrétariat. Voilà. Et puis, elle avait précisé aussi hein, que, à la limite, toutes les formations, plus ou moins, peuvent déboucher. Hein. Elle est juriste de formation, un père sociologue. On peut avoir fait quoi, de lettres modernes, géographie, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, il y a M. Bakhtiardoun Diaye. Félicitations, enfin, je ne sais pas, je suppose qu'il est sénégalais. Félicitations pour vos qualifications. Alors, il pose une question, je pense que tu as répondu. Il dit, ma question est, quel rôle et responsabilité d'une assistante de direction dans un programme ou projet de développement? Je pense que tu as répondu, sauf si tu veux compléter, ajouter quelque chose. L'assistante, comme j'ai dit, l'assistante de coordination, puisque c'est le terme qui est utilisé dans le cadre de l'unité de gestion, est d'abord rattachée au coordonnateur, ça je l'ai dit. Elle assure toutes les tâches administratives, donc elle pallie à tout, et tout ce qui est administratif concernant le coordonnateur, elle s'occupe des déplacements, elle organise ses voyages, elle organise des réunions, elle manage tout ce qui est événement. Elle est même chargée, comme j'ai dit tout à l'heure, à défaut de logisticien dans son unité, de gérer le parc auto, de gérer. En fait, c'est l'organe transversal qui touche à tout ce qui permet au collectif, à l'équipe de performer. C'est si je veux dire globalement, c'est le rôle de l'assistant de coordination.
elle est le levier de la performance collective. Si elle n'est pas performante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui partent dans tous les sens. Donc, en gros, je pense que j'ai répondu et je suis en train de même revenir sur tout ce qui a été dit concernant le rôle de l'assistante. Alors, Françoise Zobé, qui est assistante à l'UCP, elle dit malheureusement, beaucoup ne savent pas valoriser leur assistante. Et ça, c'est vrai. Donc, je te remercie pour cette belle intervention. Monsieur Papouso John, il demande. Bon, ça, je te laisse. Je pense que c'est une colle. N'est-il pas plus intéressant et approprié de passer d'assistant de coordination à coordinateur de projet? On dira que c'est le chemin tout tracé. Mais le souci avec le poste, comme j'ai dit, l'assistante a un poste d'appui. Or, le coordonnateur, c'est aussi un technicien. On ne voit pas le coordonnateur comme de la coordination simple. Le coordonnateur, en fonction de l'objet de l'unité de coordination, est d'abord un technicien qui peut gérer toutes les cellules. Il manage. Il n'intervient pas, mais il manage. Et ce niveau de responsabilité-là requiert beaucoup d'expérience. Et surtout, une technicité que forcément l'assistant ne peut pas avoir d'emblée. Ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, le deuxième point, le rôle du coordonnateur aussi est un rôle diplomatique. Il est un rôle diplomatique, il est un rôle beaucoup politique. Politique, pas dans le sens où il est acteur politique, mais politique dans le sens où il est souvent coopté par la tutelle ou bien la partie dirigeante. Donc, il doit refléter, il doit être le reflet en fait de ce qu'on recherche. Et c'est appel à candidature. Une assistante qui a été assistante de coordination pendant 7 ans ne peut pas se retrouver en face d'un mon papa de coordonnateur sur un projet. Pas parce qu'on se diminue, mais parce que quelque part, il y a une évolution qu'il faut, il faut vraiment atteindre. Je pense que coordonnatrice d'une ONG ou d'un petit projet, on peut d'abord. Le faire d'abord. Ensuite, chercher à évoluer dans ce sens jusqu'à coordonnateur de projet Banque mondiale ou autre bailleur multilatéral ou bilatéral. Ça, c'est possible. Mais de assistante de coordination au sein d'un projet à atteindre directement le poste de coordonnateur, à moins d'un miracle, voilà. Ça sera difficile. Voilà. Donc, je n'ai vraiment rien à ajouter à ce que tu venais de comme réponse. Mais l'idée derrière tout ça, c'est de dire. Mais assistant de coordination, ça ne veut pas dire que c'est la fin de carrière. De là-bas, on peut déboucher sur quasiment tous les métiers au sein donc, de l'unité de gestion du projet. Ça dépend, comme elle a dit, de ton profil et puis des sacrifices que tu fais, n'est-ce pas, pour renforcer tes capacités, pour t'intéresser à ce qui s'est fait et puis quelle a sa de pénétration en fait. D'accord. Donc, alors, tu as vraiment beaucoup de collègues qui te félicitent. Moma Djakite, qui aussi est aussi assistante de coordination à l'UCPF, a dit que tu valorises bien le métier. Merci beaucoup. Elle espère que c'est un patron prenant pour notre. C'est un peu ça aussi, hein, le titre de tout ça. C'est pour que ceux qui écoutent comprennent qu'en fait, les assistants peuvent les utiliser à meilleur dessert, en fait, que de faire le son du secrétariat. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça à faire. Elle le fait si bien. Au PCP emploi pendant 2-3 ans avant que je parte en arrière comme intervention. Alors, monsieur Bartier, le monde des projets, il n'y a pas bras droit comme en politique, sur les compétences primes. Bon, c'est pas une question. Il est en train de dire effectivement. Oui, effectivement, sur les projets, on n'a pas besoin. C'est compliqué parce qu'il y a tellement de niveaux, n'est-ce pas, d'approbation que c'est pas une histoire de je connais X, je connais Y. Non, il faut se former. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qu'elle a posées Alors, apparemment, les gens veulent sauter d'assistant de coordination pour être coordinateur. Il y a une autre, l'esplayant. C'est la même question. Quelle est la procédure à suivre si l'assistant de coordination veut être coordinateur des projets? Ça va être un peu compliqué. Mais c'est possible. Comme elle a si bien dit, le tout sont des étapes. Il faut aller à l'échelle. Voilà. C'est pas le début qui compte. Mais c'est comment on procède pour arriver vers la fin. Moi, j'estime quelqu'un comme Christian, parce qu'en général, pour être coordonnateur, on te demande d'avoir bac plus 4, bac 5 ou 5. Ce n'est pas le nombre d'années d'abord. Vous savez, en général, quand on recrute,
En haut, on met d'abord le niveau de formation. Bac plus temps, bac plus temps. Donc, un coordonnateur, c'est au moins bac plus 4, bac plus 5. Je dirais même bac plus 5, au moins. C'est après ça maintenant qu'on va parler de nombre d'années d'expérience dans tel type, tel type. Moi, je prends un schéma simple, hein, fictif. C'est-à-dire, quelqu'un qui est assistant de coordination, qui a une maîtrise comme elle, qui a un master comme elle. Ça veut dire qu'en termes de diplôme, elle les a déjà. Là, elle vous a dit, ses perspectives à elle, c'est d'être assistante spéciale par la zone de marché. Donc, d'ailleurs, elle a tout un plan. Elle sait exactement que dans 5 ans, tu l'as dit, elle dit, on se donne rendez-vous dans 5 ans pour être spéciale par la zone de marché. Dès lors qu'elle arrive, elle arrive à être spéciale par la zone de marché, elle n'est plus très loin du poste de coordonnateur. Il y a beaucoup de spéciales par la zone de marché qui sont devenues coordonnateurs, n'est-ce pas? Ça, c'est un premier schéma. L'autre schéma, comme tu l'as dit, après une telle expérience sur un projet, tu as l'esprit, la démarche un peu de gestion des projets. Quelqu'un peut se retrouver de ce poste-là, effectivement, coordonnatrice d'une ONG, n'est-ce pas, d'un projet d'une ONG, d'un petit prêt qui a 1 milliard, 2 milliards, un petit fonds. Donc, ça développe aussi ta compétence. Mais au préalable, tu as au moins le niveau bac plus 4 ou bac plus 5. Donc, maintenant, tu fais l'expérience, ta stand de coordination, tu te retrouves coordonnatrice d'un financement d'une ONG. 3 ans, 4 ans, 5 ans, coordonnateur sur coordonnateur. Si on, maintenant on lance un poste quelque part, tu peux postuler. Voilà. Donc, c'est à chacun d'être. Tu estimes que c'est à chacun de faire son plan de carrière. C'est chacun qui dit, moi, d'ici là, je vais le temps. Je me donne les armes, je me donne les éléments qu'il faut. S'il estime qu'il y a des choses qui me manquent, ben, je renforce ma capacité. Si on dit, il faut 5 ans, ben, je patiente, je fais mes 5 ans. Si on me dit, il faut pas plus de temps, tu as pas plus 4, mais va faire un bac plus 5. Voilà. Pour avoir les armes, n'est-ce pas, pour pouvoir apporter. Alors, Christian, je pense que les questions, moi, je n'en ai plus ici. Mais quelquefois, en fait, à ma tablette, je n'arrive pas à voir les questions récentes là. Est-ce qu'il y a d'autres questions récentes? Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Dans 5 minutes, ça nous fera une heure de temps. Pourtant, j'ai pensé qu'on allait faire juste 30 minutes. Mais tu as été très, très brillante. Alors, ton dernier mot, pour qu'on puisse. Bon, mon dernier mot, c'est merci à M. Thomas. Qui nous offre cette lucarne pour parler des différents rôles qu'on occupe au sein des projets. Souvent, c'est des postes qui sont méconnus ou bien méprisés, en guillemets, mais qui ont leur place et qui méritent d'être valorisés comme il le fait. Ensuite, à tous ceux qui aimeraient. Je vois aussi qui demande de la formation. À tous ceux qui aimeraient aussi briguer ce métier, comme je l'ai dit tout haut, beaucoup de courage, il faut de la persévérance, de l'abnégation et puis la rage de pouvoir y arriver, de se donner les moyens par la quête de formation. Et c'est seulement par le travail qu'on peut y arriver. Donc, je vous exhorte à vous. Mettre au travail véritablement et avec la foi on peut dépasser les montagnes. Ben, c'est une belle conclusion. Merci à Christiane. Merci à vous. Alors tu verras après dans les commentaires, tu as beaucoup de félicitations, beaucoup de remerciements. Je pense que tu as été brillante. Merci. Merci à toi. Et puis j'espère, n'est-ce pas, qu'on vous aura fait, elle vous aura fait la lumière un peu sur ce métier d'assistant de coordination. Et que ça va enlever des barrières à ceux qui hésitent pour voir que c'est possible. Voilà. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, on se donne rendez-vous pour demain. Pour demain, c'est vendredi OPEM. Et j'avais demandé à ce que vous me donniez vous-même des sujets que vous voulez qu'on traite. J'aurais préféré que les vendredis, on puisse parler d'autres sujets que de gestion des projets. Mais bon, toutes les questions, tous les sujets que les gens donnent, c'est gestion des projets. On ne peut pas parler d'autres choses. En tout cas, donc, donnez-moi les sujets. S'il n'y en a pas, je vais vous imposer moi-même un sujet pour demain. Voilà, merci à vous. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, merci en plus. Bonne fête.